Pour l'instant, ma survie est ordinaire. Mais pour la rendre extraordinaire, il me faut accomplir 3 missions de taille. Battre le dragon et obtenir les Elytra. Vaincre le Wither pour débloquer les pouvoirs du Beacon. Et enfin, explorer le Nether pour obtenir la protection ultime de la Netherite. Mais voilà la question. Vais-je réussir tout ça avant le 5e jour de ma survie? Restez jusqu'à la fin pour savoir si je vais tout foutre en l'air ou devenir un dieu sur Terre. Salut les codes de l'école, j'espère que vous allez bien. Passez-moi, ça va super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode sur notre survie hardcore à 1.21. Et c'est l'épisode 3. Techniquement 2, mais on va dire l'épisode 3. Et à la dernière épisode, on avait fait notre full armure enchantée. Vous avez beaucoup kiffé le montage et tout. Ça m'a fait super plaisir. J'ai eu beaucoup de plaisir et j'ai surtout beaucoup appris. Et sinon, on avait... on avait tous ces beaux petits villageois-là qui étaient réunis, qui font extrêmement beaucoup de bruit et qui nous avaient donné tous les livres qu'on avait besoin. Là, j'essaie juste de me trouver un petit villageois que je vais pouvoir level up parce que... J'aimerais ça avoir un bon arc, mais j'en ai pas. Donc, ça serait quelque chose d'utile. Parce que j'ai comme objectif d'aller dans le Nether, d'aller chercher des enderperles, d'aller chercher tout ce qu'il me faut, en fait, pour aller battre le dragon et avoir des Elytra. Et pourquoi pas même peut-être être full netherite. Ça pourrait être... Tu sais, toutes les tâches chiantes de début d'aventure, on le fait d'un coup. On fait épisode 2, 3, full enchant, full netherite, full ci, full ça... Et c'est réglé. Mais, j'ai besoin de ressources pour ça. Et surtout, j'ai besoin d'un arc. L'arc est beaucoup trop fort. Et on dirait bien que je manque de bûches. Et d'ailleurs, pour toutes les autres pirates qui vont rejoindre l'aventure, ça va venir plus tard dans la vidéo parce que ça fait pas trop longtemps que j'ai publié la vidéo. Donc, je veux laisser un maximum de personnes pouvoir avoir leur chance de devenir un pirate. Je vais virer fou. Avec toutes les... Il y avait un bébé tantôt, j'ai aucune idée. Où il y avait un adulte pas de job, j'ai aucune idée. Où? Oh là là. C'est toi? Non. Ça me donne envie de faire un massacre. Ah, ok. Là, on veut genre infinité. Ça serait... Putain, je viens de voir protection 4. Hein? Oh, power 5. Limite, c'est pas la fin du monde hein, si on n'a pas infinité tout de suite. Ouais, je pense que je vais le prendre. Et boum. Ok. Power 5. On peut aussi avoir Unbreaking. Il faut juste que je fasse quelques échanges. Ah, yes! Fait que lui, on veut Infinité. Infinité, on prend ça. Y a-tu un qui vend un livre? Ouais, merci. Boum, on a une infinité. Unbreaking, yes! Et boum! Notre arc, parfait. Ok, on a épée, arc, on a quelques flèches. La seule chose qui pourrait nous manquer, c'est genre des feux d'artifice pour plus tard, mais on n'est pas rendu là. Là, on va aller dans le Nether. Ok, let's go! On est prêt, jour 37, on embarque dans le Nether. J'espère qu'avant le jour 50, on a nos Elytra. Au moins, on n'a pas besoin de chercher pour... Oh my god. C'est passé proche. Faut pas que je tombe. Oh, il faut tellement que je fasse attention au Blaze. Oh, je l'ai eu. Ouais, peut-être faire deux à la fois, c'est plus intelligent. Oh non, t'as vu comment je suis pas intelligent? Ça aurait pu être la fin, là. Oh là là. Ok. Non, peut-être. Oh, ça va tellement bien. Looting fait pas effet? Qu'est-ce qui se passe? Oh, ouais. Donnez-moi ça. Des verrues. Puis de la soul sand. Oh, yes. J'ai jamais été aussi content d'avoir des verrues. Allez. Premier bâton de Blaze. Coucou, allô. Oh! C'est quoi, c'est mon quatrième, là? Let's go, déjà une tête. On prend. Oh, là-bas, il y a un spawner. Notre premier quartz, let's go, pour les observeurs. Je pense que 32, ça va faire la job. Je vais aller par là-bas, parce que je vois des wither squelettes, mais ça serait trop bien si je réussis à obtenir ce qu'il me faut pour faire un beacon. Ça m'aiderait trop pour les futurs projets. Oh, une autre?
Je les ai toutes! Je les ai toutes! Guys, checkez les stats! Checkez les stats! Mobs. Kill. 9! 9! C'est 33% de chance! Let's go! C'est quoi les chances que ça arrive? Eh, habituellement, je peux passer des heures et des heures et des heures pour trouver. Et là, ils me l'ont donné. Merci Minecraft. Oh my god, je suis tellement heureux. Oh my god, je suis tellement content. Que ça aurait été trop beau qu'ils m'en donnent une autre. Là, par exemple, je suis... je viens de où, moi? c'est une bonne question, là. Probablement dans cette direction-là, mais je sais pas trop. Si je descends, puis après ça, ça redescend à gauche. Ok, ouais, c'est par là que je viens. Ouais. Moi, je me retrouve toujours, hein. Des fois, pour obtenir mes yeux, je vais faire un villageois. Ça va être aussi simple que ça. Je vais juste faire un villageois. Je vais aller faire mon Wither en attendant. Puis c'est tout, là. Ça va être trop facile. Ce jeu est trop simple. Allez, je me fais deux lits, puis basta, là. Parce qu'après ça, avec les Elytra, les possibilités sont... On fait ce qu'on veut, là. Le jeu... On va passer en easy mode. C'est trop bien. Qu'est-ce que vous pensez, vous? J'allais vous ouvrir la porte? Non, non, vous êtes pris dans votre prison. Toi, 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 vous êtes toutes pris dans ma prison. Oh, je suis méchant. Maintenant, pour le Wither, c'est super simple. On a juste besoin de faire ça. J'ai ma flèche, ma bouffe, j'ai tout ce qu'il me faut. Et je vais descendre en ligne droite. On va faire une autre belle ligne droite parce que je détruis pas mon village juste pour le plaisir de vous faire plaisir. Et on va se taper le meilleur Wither de notre vie. C'était beaucoup trop facile. Oh, je suis trop con. Je voulais me faire un ascenseur à bubule, puis j'ai apporté 4 Soul Sand. Oh, je suis trop con, pour vrai. Oh, je suis trop chaud, parce que ça veut dire que je vais pouvoir avoir du slime ici. Puis là, ça va me permettre de faire des potions infestation de slime. Non. Ah, je viens de réaliser, je l'avais pas enregistré. Mais l'endroit où j'ai fait mon couloir pour le Wither, ben pour descendre, on passe directement à travers d'une Trial Chamber. C'est vraiment exceptionnel. En vrai, cette petite île-là, là, elle est géniale. Casse les couilles! Ok, ça suffit. Ça suffit. Honnêtement, venir ici tous les 30 minutes, activer toutes les mobs et tout, ça fait quand même une pas pire ferme à XP, là. J'ai oublié que c'est ça en plus que je voulais faire comme projet aujourd'hui. Mais on va voir avec le temps qu'on a pour la vidéo. Bye bye! Ok, on monte. Si on pouvait avoir aussi une tour du pillager, là, ça serait génial. Reviens. Hey, notre première perle. Attends, mais c'est la nuit. Mais il pleut. Est-ce que je pourrais juste chasser le monstre à la place? C'était un échec. Il pleuvait. Il y a pas eu d'Enderman. On passe à la prochaine journée. Allez. Je suis trop bien. Yo, on est trop bien, là. Ah, c'est... J'en reviens pas. La cible est parfaite, là. Faire plus de papier. À chaque fois que je vous vois les pirates là-bas, là, j'ai toujours l'impression que c'est des villageois. Puis je suis comme, ah, putain, ils sont encore enfuis. Mais non, c'est juste vous. Et plus de diamants encore. Let's go. J'ai hâte d'avoir aussi un Ender Chest. Oh, on pourrait s'en faire un en plus, Ender Chest, hein. Mais on va en avoir, de toutes les manières, on va en avoir dans l'End. Pas besoin. 21, comme ça. On a même des Arrow of Slowness. Ça pourrait être quand même pratique. J'ai plus de papier, est-ce que j'ai plus de poudre? Ouais, un peu plus. J'ai aussi hâte de me faire une salle des coffres, là. Il y a un YouTuber qui a inventé une nouvelle manière de faire du auto-sorting, là. Pas du auto-sorting, mais avoir multi-sorting dans un coffre. Donc, tes coffres automatiques, mais un coffre peut accueillir plusieurs items, puis c'est ultra élégant. Donc, j'ai super envie de le faire, mais il me faut beaucoup de ressources pour ça et je les ai pas encore. Puis aussi, je sais pas encore le design qu'il va y avoir dans la base. D'ailleurs, si vous avez des idées, des inspirations, des trucs comme ça, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Je sais que je veux faire pirate, mais je sais pas exactement ce que je veux faire. Y a-t-il quelqu'un qui a besoin d'un métier? Ok, on va vous rajouter un lit, messieurs, mesdames. Messieurs, mesdames, vous, peu importe. Ok, puis je vais aller vous chercher plus de pain. Mais en fait, je peux en avoir.
Bon, en attendant qu'ils font leur truc, je vais terminer mon ascenseur. Et voilà. Et là, techniquement, si je mets ça ici, je vais mettre ça aussi ici. Ça devrait nous amener jusqu'en haut. Parti dans les Trial Chamber pour récolter des ressources en attendant que mes villageois soient prêts à me vendre des perles d'Enderman. J'ai récolté pas mal de trucs, du cuivre et des lampes, mais surtout des dispensers, vu que c'est ultra chiant à craft. Et dans les dispensers, j'ai pu trouver pas mal de sauts, mais surtout des potions de weakness. Ce qui me fait penser qu'avant, la seule manière de convertir des villageois avant le Nether, c'était avec des sorcières. Mais maintenant, on a accès à des potions gratuites. Bon, on a eu quelques bons trucs. Je vais ranger le tout parce que, bon, ça va être bon pour le plus tard. Genre les dispensers, les wind charge, des trucs comme ça, ça va vraiment être bon plus tard. Mais pour l'instant, c'est vraiment pas utile en fait. On a une golden apple qui est pas mal aussi. De quelques émeraudes, ça, trop pratique avec les villageois. Des œufs, des snowballs aussi, ça va être super pratique pour faire un snow golem. Parce que bon, il n'y a pas de neige proche, puis je pense pas qu'il y en a là-bas non plus. Donc ouais, ça va être super pratique. Et là, on peut voir, est-ce que les bébés, ils sont proches d'être grands? Oh yes! Y'a là. Merci. Je pense que je vais devoir aller farmer un seul arbre pour avoir toutes les émeraudes nécessaires pour faire les échanges. Ok, allez monsieur, par pitié. Moi qui voulais du lapis en plus. Please, yes! Yes! C'est pas beaucoup par contre. Il nous en faut une quinzaine. Ce qui est pas mal, mais quand même. Ok, on va aller couper d'autres arbres d'abord. Ok, ça devrait suffire. You? Ah, il est là monsieur avec la robe. 13, puis là il devrait reset son trade. Mais 13, on devrait être correct, non? Moi, je pense que ouais. Ok, je prépare tout ce qu'il me faut. Il y a un truc que les gens oublient tout le temps d'amener quand ils vont dans l'End, et c'est du bois. Pourquoi du bois? Parce que vous avez besoin de coffres pour faire des shulker box. Aussi simple que ça. Lui, je vais l'attraper parce qu'il va nous servir pour notre future ferme à XP. Ok. Oui, bon, ça va aller mal si j'ai pas mes blaze powder. S'il te plaît, pas dans l'eau. Par là. Ah ben, c'est sûr, je suis trop débile, c'est sûr que ça va être dans l'eau, moi. C'est sûr, faut que je me rende dans l'eau, je suis sur une île. C'est la première fois qu'on quitte l'île depuis qu'on est arrivé. C'est un peu nostalgique. Non. Tout a l'air de retourner sur ses pas un peu. Parce que je suis arrivé de par là, si je me trompe pas. Donc ça devrait peut-être être dans ces eaux-là. C'est bien parce qu'on n'est pas trop loin, hein. On va aller en haut ici. Ok. Avec ma triangulation. Par là. Ça, c'était ici, comme ça ici. Celle-là, c'est comme ça ici. Donc si je me mets par là-bas, ça devrait nous montrer exactement où il faut qu'on y aille et on va pouvoir trianguler nos coordonnées. Ouais, non, j'essaie de dire des trucs scientifiques, mais ça a pas du tout fonctionné. Ouais, exact. Donc c'est ici, là. C'est ici, exactement ici. Je l'ai dit. Quoi, non, je l'ai pété? Putain, il m'en reste combien? 11. Oh putain. Allez, on croise les doigts. Il nous en faut juste un. Juste une perle dedans. Oh! J'ai entendu le... des silverfish. On n'est pas loin. Mais là, j'ai un peu peur, donc je vais mettre ça en dessous. Oh my god! Je suis trop fort à jeu! Je suis trop fort! Je m'en fous! Dites ce que vous voulez! Je m'en bats les couilles! Je suis trop fort! Et c'est tout! Puis en plus, j'ai les perles qu'il me faut. Allez, allez, ça dégage. Nous, on va directement là, hein. Et ouais. Oh. Écoutez... Hein? Vous êtes tellement chanceux de me voir jouer. Vous vivez dans une ère que vos enfants ne verront probablement pas me voir jouer. C'est incroyable, incroyable. Oh putain, c'est sûr que je m'en rendrai. Let's go! The end. This is the end. Let's go! Oh, dégage! Oh, dégage!
Tiens. Allez, ça dégage, c'est trop facile. Bon ben pour tous ceux qui ont jamais joué à Minecraft et qui ne savent pas comment récupérer l'œuf. Voilà. Oh, l'XP, ça fait trop du bien. Oh, trop bien. Ok, là, il y a le portail, il est là-bas. J'ai mis mes roquettes. Ouais, parfait. Vous savez ce que j'ai oublié? J'ai oublié de me préparer un leaf mending et unbreaking. C'est ça que j'ai oublié. Je suis pas si pro que ça, finalement. Attends, le truc est juste en haut de notre plateforme. Oh my god, j'ai calculé ça à la perfection. Encore une fois, comptez-vous chanceux. Puis pour vous compter chanceux, n'hésitez pas à vous abonner, à like et si vous le voulez, à devenir membre de la chaîne. Parce que voir un pro player comme ça, ça arrive pas tous les jours. Ok, maintenant la tâche la plus chiante de tout Minecraft, et c'est vraiment mon humble opinion. Je vais regarder au sol pour pas me faire aggro. Trouver une end city. Oh, il y en a une là-bas. Yes! Ah, tellement proche en plus, on va pouvoir faire notre ferme à Shulker super proche, trop bien. Attends, y'a pas de bateau? Dis-moi pas qu'il y a pas de bateau. Oh, y'a pas de bateau, je crois. Oh putain, y'a pas de bateau pour vrai! Oh, je me suis fait bait! Ça, c'est vraiment épeurant, par exemple. Bateau! Let's go! On y va, on prend quelques shulkers, peut-être un ender chest, puis on se casse. Je déteste cette dimension, elle est tellement plate, c'est le désert, c'est le néant, c'est le vide. Shulker shell. Le smithing template, de l'or pour plus tard. Allez, épée, seal touch, what? Nice, nice, thank you very much. Hop, ça on prend ça à nous. On va même prendre les petits coffres. Yo, l'autre là que j'allais le tuer là. Et là. Allez. Notre première shulker box. Boum. Là, on peut ranger tout ce qu'on n'a pas de besoin. Wouhou. Avant de repartir à la maison, j'ai décidé de faire un petit, ce qu'on appelle end busting, pour avoir un maximum de shulker. Ou du moins un minimum, si on peut dire, parce qu'une fois qu'on aura la ferme à shulker, ben les shulker box ne seront plus un problème. Et. Oup. Ah. Yes! On a terminé Minecraft. C'était la fin de cette série où on terminait Minecraft de A à Z. Et nous, on se rejoint dans un futur épisode. N'oubliez pas de like, de commenter et de vous abonner. C'était une blague, elle était drôle, hein? Ouais, je suis trop malin, je sais. Donc, on fait Unbreaking Mending. Et on a nos élytras parfaites. Oh ouais, baby, it's time to fly. Oh, je suis trop content. Là, par exemple, il va nous falloir une ferme à creeper, une ferme à canne à sucre. Mais ça sera pas dans l'épisode d'aujourd'hui, je pense. Bon, maintenant qu'on a tout ça, qu'on a nos magnifiques élytras, il reste un truc pour moi à voir mon objectif de l'épisode. Et c'est bien évidemment le full netherite. On va commencer par un full netherite au niveau de l'armure. Et si je suis capable d'obtenir tout ce qu'il faut pour les outils, ça serait vraiment incroyable. Parce que si je me trompe pas, il me faut 4 anciens débris par truc. Donc ça fait 16. Et j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 outils. Donc 24. Donc j'en aurais besoin de 40. Est-ce que c'est possible? Aucune idée. Parce qu'on va y aller à la pioche. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est-tu cette merde qui m'a poussé? Je pense vraiment que c'est ça qui m'a poussé. Et j'ai tellement paniqué. Oh my god. Quelle cochonnerie, man. Oh my god, je suis à quel étage là? 62? Faut qu'on descende à 0, puis ça va être juste des lacs de lave, hein. Bon, on est à l'étage 15, c'est parti. Oh, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Plus que la moitié. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40! Yes! Vous savez c'est quoi le pire? Je viens de me rappeler que là, il faut que j'aille dans un fucking bastion. Puis que j'ai cherché le trim pour le smithing template là pour pouvoir craft mes items. Oh. Ok, là, il y a le fog. J'ai aucune idée où m'en aller. Mais j'espère que ça me coûtera pas trop de roquettes pour me rendre. Non, une autre forteresse, pour vrai! Une autre! Il y a 4 forteresses autour de chez moi. 4? 4 forteresses? C'était ma dernière requête. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Je pense qu'il faudrait que je retourne vers le 0-0 puis que j'aime refaire des requêtes. Ok, je pense qu'on a tout ce qu'il nous faut pour nous faire... Ouais, 47, ça devrait le faire, là. On s'en va pas à l'autre bout du monde non plus, là. Ok, let's go, good luck. On va essayer de partir par la droite, là. Un autre. What the hell? Dans quel monde? Ah, bon, ah. Hot tourist plus on a un bastion. Ok, génial. Je veux l'alarme. Ok, où le bastion, là? J'ai volé, mais... qui parle. C'est quoi la strat? Tue tout le monde, tout ce qui bouge? Je pense que ouais. Ok, let's go. On tue tout ce qui bouge et c'est tout là. On a le banner pattern. Un peu d'or. Banner pattern. Pourquoi ils viennent pas sur moi? Un ancien débris. On prend ça. Ok. Bon. Ben, il y en a deux que j'étais pas obligé de miner. Venez, ma bande de petits. Ouh. C'est là qu'il faut que j'aille, non? Oh. Ok. Encore un ancien débris. Honnêtement, ça, c'est une de mes faiblesses. Les bastions, là, j'ai aucune idée comment ils sont faits. J'ai pas pris le temps d'apprendre comment ils étaient faits. Puis, ça paraît quand je joue. Ici. Bon, des bons trucs, mais encore pas. Qu'est-ce qu'on recherche? Des bons trucs, encore pas ce qu'on recherche. Ok. Y a rien ici. On va rentrer à l'intérieur. Bon, je pense pas que ça sera ici. On continue à chercher. Je pense qu'il faut un bastion différent pour le pattern. Un bastion ici. Ah, oh, c'est le même. À moins que. Ah non, c'est pas le même type. Ah oui, c'est le même type. Putain. Qu'est-ce qu'il me brûle? Qu'est-ce qu'il m'a brûlé? Ah, dommage. Yes! Il est là. Ok, on est out. On est out. On retourne à la maison. Ah, la maison! Oh my god, les lingots de netherite. Let's go. Faut juste que j'attende qu'ils finissent de cuire. Ok, pour faire un smithing template, c'est quoi qu'il me faut? Ah ouais! Il m'en faut combien? 1, 2, 3, 4. Il m'en faut 10. J'en ai combien là? Juste 6! Oh non, faut que j'aille miner du diams. Je vais pleurer. Je peux-tu? Oh, come on! Allez, on retourne en 1.16. On va aller caver. Yes! Yes! 1. 2. Oh yes! Boum, boum, boum! J'en ai combien là? 17. M'en faut 7. Ça m'en ferait. Je sais pas combien ça m'en ferait. Ça m'en ferait-tu 2 autres ou 4 autres? J'en avais 41 diamants. Ça m'en a fait 5. Oh man, mes maths. Ok, on va aller voir. Je suis trop impatient. Ok. Ça m'en fait 8. J'en ai besoin de 10. Je sais pas compter. Je sais pas compter. J'ai toutes mes lingots de netherite par contre. Ça, c'est une bonne chose. Et les monstres de coffre commencent. Ok, il m'en manque juste 4. En fait, il m'en faudrait plus parce que j'aimerais ça en avoir un pour pas que j'aille aller en rechercher l'autre. Fait que 10, 11 diamants, là, peut-être une veine là, si on est chanceux. Yes, what the fuck, c'est quoi la luck? J'en ai combien? 15? Je peux en faire 2, ça ferait juste 10. Non, il m'en faut encore un peu. On était juste là, là. Oh my god, what the fuck? J'ai jamais été aussi chanceux à trouver du diams. 22. Oui, nice, ça fait assez. Wouh! Ok, boum. On en a un qui va jamais devoir bouger. Genre, ça reste dans mes précieux. Et là, boum, boum. On met ça là-dedans. Et c'est le temps de... On s'assure qu'on a les bons trucs. Oh, yes. Il me manque un petit truc. Ok, la houe, la pioche chill touch, la hache, la pioche fortune, l'épée et la pelle. Boum! Boum! Full netherite. Ça m'a pris le farm plus trouver le smithing template. Donc le template, ça m'a pris 1h30. Ce qui est pas pire. Puis honnêtement, si j'avais pas mes élytras, pas fortune, pas tout ça, ça serait jamais passé. Bon, avec toutes ces aventures, il nous reste plus qu'à installer les nouveaux pirates. Donc, à la dernière épisode, on avait obtenu 300 likes. Ce qui veut dire 300$. Ce qui veut dire on a pu embaucher 3 pirates. Et c'est pas juste ça. On a eu 2 nouveaux membres.
Et on va commencer par eux, qui sont sur mon bateau temporaire. C'est pas le plus beau bateau pour l'instant, mais il va grossir dans le futur. Donc, on a Laplo, qui voulait être à la barre, mais vu que c'est un petit bateau, il y a pas vraiment de barre, donc je te laisse... je sais pas comment ça s'appelle, là, mais le gouvernail, je suppose, ou... ouais, ce truc. Donc, c'est lui qui dirige le bateau. Et on a Brou ici. Il m'a pas dit exactement quel rôle il voulait, donc je lui ai mis le rôle de pêcheur sur le bateau. Mais Brou, tu pourras toujours choisir. Bon, on va essayer de pas se noyer. Ensuite, j'ai rajouté Maxui. Pourquoi je l'ai rajouté? Ben, tout simplement parce qu'il était là à la dernière cité, donc la cité chinoise que je faisais. Et il voulait être pêcheur, donc je l'ai mis avec Castillus. On va probablement faire des espèces de guildes ou des trucs comme ça, donc des bâtiments bien spécifiques. Et on va regrouper certains types de pirates dans ces endroits-là. On a aussi Bambou SK qui, lui, voulait juste être allongé sur la plage. Donc, et voilà. D'ailleurs, je me fie vraiment juste sur les pseudo, si vous les mettez pas dans les commentaires, je me fie sur les pseudos YouTube. Donc si c'est pas vous, n'hésitez pas à me faire corriger votre pseudo. Et on termine avec Vogmery0089 qui est juste là et qui voulait avoir un bouclier. Donc ça va être un des pirates protecteurs du village, donc dans les futurs épisodes, quand on va vraiment faire notre ville, on va mettre des barricades, des trucs comme ça, Vogmery va probablement faire partie de la garde du village. Bon, c'était une vidéo ultra chargé en contenu. J'espère qu'elle vous a plu. Je suis super content de m'avoir débarrassé de toutes les tâches ennuyantes, genre Weeder, Dragon, etc. Et en plus, j'ai réussi, je crois, à vous faire un montage qui est quand même assez agréable, assez dynamique et assez amusant à regarder. Donc, n'hésitez pas à me faire savoir si vous l'avez aimé dans les commentaires, en likant et en, bien évidemment, si ce n'est pas déjà fait, en vous abonnant. N'hésitez pas non plus, si vous avez les moyens, de rejoindre la chaîne comme membre. Le premier rang de membre, de si peu que 1,99 canadien, donc 1 euro. Donc, n'hésitez pas si ça vous fait plaisir. Moi, en tout cas, ça m'aide énormément, surtout à continuer mes vidéos. Bref, l'école 2, c'était tout pour moi. J'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, encore une fois, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, c'est ça qui aide la vidéo. Et nous, on se rejoint dans un futur épisode. Peace!